Tout d'abord, avant de commencer le cours, j'aimerais vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle parmi vous. Donc je compte sur vous pour bien l'accueillir. Bonjour. Tu t'appelles Violette. Tu peux t'asseoir là, Violette? Bon ben, il y a un bon livre là. Merci. T'as vu ses cheveux? Oh oui, je suis moche. T'as vu la grosse mèche qu'on l'a mis et tout? C'est quoi? Je Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne veux pas changer mon apparence pour avoir des amis. Je voudrais tellement être acceptée dans la classe. Être seule, ce n'est vraiment pas marrant. Maths, français, bio, chimie, physique. Non, pas ça. Oh, regarde, j'ai une petite soeur. Non, on va bien lui parler. Bon, on va y parler. Salut. 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 Bah pourquoi t'es pas venue près de nous tout à l'heure? Bah je viens de faire éjecter par l'autre groupe là et j'avais pas trop envie que ça recommence. Ah ouais, mais nous on n'est pas comme elle. Hein. Faut plus rester seule, maintenant on est là. C'est gentil, mais sur le coup ça fait vraiment mal donc. Bah nous allons aller leur parler hein les filles. Ouais. Oui, bouge pas, on y va. Ok. Alors il s'est passé quoi avec Violette? T'as vu comment elle est habillée celle-là? Elle sort d'où? Halloween s'est passé. GG sans connaître. Hein. Vous croyez que c'est bien, vous habillez toutes pareilles? C'est mieux que t'habiller comme toi. Vous êtes superficielle. C'est exagéré. Moi, je trouve sincèrement qu'elle ressemble à rien. Je vais parler avec des gens tantôt, elle va être sympa. Moi, de toute façon, je l'aime pas. Tu vas me recommencer. Hein. Et moi non plus, je l'aime pas. C'est vraiment des gamineries. Vous vous rendez compte que ça met une mauvaise ambiance dans toute la classe? De toute façon, si je l'aime pas, c'est mon problème. Hein. J'ai pas envie de la connaître et tout. Quoi qu'elle fasse, je m'en fous. Un choix, c'est un choix. Il y avait déjà une mauvaise ambiance avant, donc... Quand ça passe pas, ça passe pas, c'est pas ça. Avant de juger, prenez le temps de connaître. Savoir accepter la différence et vivre dans un monde harmonieux. Nous sommes tous différents, c'est ce qui fait notre force. La différence est une richesse, cultivons-la. Notre physique ne fait pas notre personnalité. Beaucoup de gens ont souffert à cause de ça. Chaque personne est unique. On ne doit pas juger les autres sans les connaître. Vivre ensemble dans la différence, ça rend heureux. La différence est normale, il faut l'accepter et la cultiver. Notre première idée n'est pas toujours la bonne. Baby ne fait pas le moine. Être rejeté est un acte insultant et ça blesse. Pensez-y. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefaisatelier.be.